peut jouer Tess. Tess, ça dépend du lobby, mais ça peut être marrant, quoi. Faut voir si nos adversaires peuvent nous régaler. Est-ce qu'ils ont des gros buddy à 6, ce genre de dingue. Ça dépend vachement des... Bah, logique, à Tess, ça dépend vachement des adversaires dans la méta buddy. Et autrement, Tess, ça a déjà été broken dans certaines méta où un type de tribu était joué. Imaginons que là, dans la game, bête c'est fumé et que tout le monde joue bête, bah, Tess, c'est broken. La méta où Tess, c'est broken, c'est quand tout le monde joue la même compo. Dans le méta buddy, c'est moins le cas. En général, ça s'est varié parce que t'as des compos spécifiques éventuellement au buddy même. Mais l'avantage, c'est qu'on peut voler parfois des buddies incroyables. En vrai, bête, ça peut être un truc de fou hein, parce qu'il y a Enzot. Hein. Il y a le buddy de Enzot qui est incroyable. Il y a son poisson qui peut être cool. Je pourrais lui voler le poisson si je joue au prochain tour. Ah, je sais pas si je vois un truc tour 1. On peut faire un poisson doré. Alors lui est vraiment pas zazin. Je vais me le poser. S'il a pas le sap, c'est mieux. Fais chier. Je pensais que ça arrive vous fournissez les PC, c'était pas comme ça à une époque. Non, non, j'ai toujours payé mes PC. Après, si tu stream au locaux de Solary, il y a les PC qui, il y a le PC là-bas avec lequel tu peux streamer, mais moi je stream depuis chez moi, donc non, non. Je pense pas que je vais repouvoir le poisson là, on va juste hop tranquillou. Arfeus, le buddy du roi liche, il fait quoi? Il synergise avec le poisson. Il donne, une fois qu'un serviteur allié est réincarné, lui donne l'attaque de ce serviteur. L'attaque de Arfeus. Il a plus reborn. Il avait reborn à un moment aussi, en plus Arfeus, je crois. Mais bon, après, c'est une bête, donc tu peux lui donner reborn. Hein, c'est une bête mort-vivant. Ok. Ah, fait chier. Faut vraiment qu'on gagne là, parce que j'ai besoin de jouer mon buddy rapidement, normalement, et... Vous voyez là, on tacle que des match-ups relous là pour gagner. Pas évident. Est-ce qu'il peut être fort là contre des trucs Bof. Je veux jouer ça le plus tôt possible, et pour moi le plus tôt possible c'est pas de suite. C'est peut-être dans deux tours je pense. Il leur donne déjà un salaire gratuit. Pitsolari donne pas de salaire. Hein. Pour rappel, la TV ça marche comment? C'est par rapport au revenu des subs et des pubs. Solary ne nous paye pas en salaire, c'est des revenus de la TV. Là-dessus peut-être? Faut être relou quand même contre le poisson. Il a le forban, mais bon, je troll. Ah, ça aurait été cool plutôt. Prochain tour, 6 potentiellement. 7. On va peut-être juste faire buddy au prochain tour. Quand même pas mal. Oh, par contre, il y a ça, j'avoue qu'il y a le buddy de Holiday qui est cool. Buddy de Holiday, il est incroyable. Hein. J'ai une question, pourquoi vous ne faites plus de déco-reco en cas de compo APM, ça a été interdit ou la donne ne fonctionne plus? La donne ne fonctionne plus. Et après, je crois pas qu'il y a d'interdiction claire et nette de Blizzard. En tout cas,
Il y en a au tournoi, hein, les tournois officiels, mais en même temps, il n'y a plus de tournoi officiel, donc bon. En vrai, je crois pas, non. Juste. Ouais. Avant, je le faisais. Oh, incroyable, c'est incroyable, là. C'est une dingue. Une fois que vous avez recruté un serviteur, vous obtenez un sort aléatoire de la taverne du même niveau, c'est incroyable, comme me dit. Il va le récupérer là, gratos au prochain tour. Enfin, juste pop, on s'en fout, hein. C'est une dinguerie. En plus, il y a Azerith dans la game, donc à tout moment, je trouve Azerith et avec mon nouveau meilleur ami le Buddy. En plus, si je le retaque plus tard, bah, il va me refiler le Buddy. Ouais, par contre, la donne ne fonctionne pas parce que Blizzard a demandé à ceux qui mettaient la donne, alors son deck tracker, de ne pas l'autoriser. Oui, ça j'avais entendu. Mais c'est un peu. Ouais. En fait, ce qui m'emmerde, c'est que Hearthstone n'est pas prévu. Enfin, Hearthstone ne tient pas bien les compos APM. Ils nous en foutent plein. Et après, ils nous interdisent de Dicoroco. Du coup, en gros, quand tu joues Hearthstone et que tu as une compo APM, tu es obligé de subir la frustration du jeu qui ne suit pas. Et pour moi, c'est une aberration, tu vois. Genre, t'es là. Tu sais que si le jeu lag pas, bah tu gagnes 20 secondes, mais non, le jeu lag et tu subis ta game et tu perds du temps, il y a les cartes qui dansent, il y a tout qui bug et. Et ils disent ah non, faut pas d'écho, bah génial. Après ils l'interdisent pas, mais ils sont clairement pas pour, ça oui. Pourrait tripler avec l'Hero Power, la 3-3, mais je pense s'en fout. Bizarre. Ouais, je vais le faire sur les bêtes du coup. Hein. Ça booste le clan et l'autre que je vais garder. Alors normalement avec ce buddy là on a envie d'aller jouer en sac, mais est-ce que je peux up sac facilement sans me faire casser la gueule? Je sais pas. Là le buddy il me sert à rien. Après on peut jouer en 3 si on a Azerith, mais j'ai pas Azerith. Bon, j'ai pas Azerith, on va up j'imagine. J'ai pas de bon truc à acheter là. Ouais, je suis limité, hein, je peux pas alpha autant que je veux. Oui, c'est pour ça que j'ai pas acheté le pirate avec. T'as envie de cibler des 3, des 4, c'est possible des 5. Non. Je sais même pas si je veux stream, je pense pas.
pense pas que je le veux. Parce que ça me coûte un proc là-dessus. Et si au prochain tour on up, c'est trop bizarre. Si on up pas, ok, mais ouh, il y a double sage, on peut faire le truc doré avec. Et du coup, on achète full 4 avec le buddy, l'air de rien. Sachant qu'il y a Enzot, hein, qui va jouer bête, donc ça peut me giga feed d'essayer de partir bête là et de faire de la thune avec. Parce que là, j'ai pas de plan de jeu. En plus, ça buddy bête ça. Si je prends le trip maintenant, I don't know. Après, je peux le prendre et le garder en main, hein, ouais. Non, je perds des gold. Terrible. Seize gold. Bête. Miam, miam, miam. Est-ce qu'il joue vraiment bête avec Sylas? Ça, je crois pas, c'est juste bizarre. Incroyable, incroyable ça. Pas fou non plus ça. Oh. Il me donne que des trucs qui vont pas ensemble. Pas cool là. J'aurais bien voulu un Boa ici, Goldrin, je sais pas Cabra, même à la limite une atrocité. Ah lui il me donne Riad bien, c'est très chiant. Bon bah j'ai 2-6 qui me servent à rien. Si Enzot meurt, c'est pas une bonne chose pour moi parce que j'étais en mode ben bête, ça peut vraiment être une bonne game pour jouer bête là et. C'est à dire que je pourrais pas le retag après. C'est bizarre cette game. Faut voir qui on tag, qui meurt. Ok, il meurt pas, ça peut être bien pour moi surtout si on le tag. Ouais! On va avoir deux buddies
De Enzot, juste il me faut upload le jeu que je n'ai pas encore. Théoriquement, je suis censé up là, ce qui est vraiment bizarre, mais. On peut jouer ça avec des trucs pairs, on peut. Pas virer ça, ça peut bouger. J'aime bien aller en 6. Non, j'ai le temps en 5, ok. Je vais hop. Ok. On a combien, Cora? Je préfère tenter à ça quand même. Peut-être garder mes raisons pour le prochain tour. Chier. Ça manque un peu de râle d'agonie là. Après, on peut peut-être prendre l'autre, ouais. Me giga feed avec ça. Je peux me giga feed des transi bêtes derrière avec la thune. Je sais pas si t'as vu le tweet de Blibli. Ils ont montré quelques trinkets en plus. Non, j'ai pas vu Sliders. On checkera ça après. Alors, je peux récupérer tout son board ou quasiment. Et je fais plate thune. On va pouvoir voler. On va pouvoir faire bah, tout sous les hélices. Hein. Let's go. Plus j'ai deux poissons là avec son buddy. On va peut-être faire Goldrin doré, récupérer un autre Goldrin plutôt. Remercie le. Ouais, merci. Merci mon pote. Ouais, l'armée des Goldrin là. On va y fort doré avec ça si on le garde. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. Il y a lui derrière, bon. Ah, vas-y. Je vais pas le Vaillefort doré du coup, mais je vais pas prendre le risque. Contre, j'ai pas de tonne dessus, c'est un peu chiant. Muraison, ouais. Chier. Pas mourir, pas mourir. Ah, j'aurais dû inverser les deux du coup. My bad. Ah, oh, évidemment, évidemment, il le snipe. Évidemment. Ah, oh, c'est une dinguerie. T'es mal hip hop.
Pog. Ah, c'est vrai que je vais pas pouvoir acheter non plus full du coup. Après, là, ça c'est bien parce que si je trouve un Vifor, je pourrais le devrir dans le shop. Il a Titus pour toi? Ah oui, il avait Titus? Incroyable. Les AP. Pourra le devoir au prochain tour. Pour Aldo au prochain tour. Je vais mettre le dragon. La tour, on achète tout, il y en a sur le Vifort doré. Et je pourrais faire full truc, il faudra juste que je vende bien avant. Yep. Donc on va mettre le dragon, ouais. Ouh. Non, je vais pas mettre le buddy bet parce qu'il faut d'abord que je vende ma main. Et ensuite que je joue. Non, je peux pas mettre le buddy bet. Autrement, je vais perdre des spells et tout. Ça va être très chiant. Inverse le poisson. Non, je vais faire ça. Non, merci. Il y a un monde où je joue avec un Vifort doré, il y a normal par contre. Pas obligé de vendre l'autre. Plus de Vifort, non. T'es sûr d'avoir les thunes? Je pense, oui. Je pense que j'ai les thunes avec ce que j'ai en main, plus le fait que le buddy va me refiler des spells, qu'il pourra peut-être me filer des serviteurs, ou pire. Au pire, j'aurais beaucoup de chance. Devait d'avoir doré. Enfin, peut-être à mon avis, c'est au moins 50-50, voire safe. Je crois que c'est safe, mais peut-être à 50-50. Là, j'ai quand même 5 à vendre, 6 à vendre. Plus achat-revente. Un rare dans la compo, oui, en tuerie. Ça peut rentrer en tout cas. Ok. Alors. Attends, il y avait quoi l'autre? J'ai pas fait gaffe là. J'ai dit au chat, je fais même pas gaffe. Ok, Osef. J'avais pas un truc à relancer avec Krigia, j'ai pas fait gaffe, putain, je suis pas focus. Je crois pas, soit. 6. Ah, mais il y a un autre comme ça en plus. Après, les 5, ça peut me refiler le spell pour doré aussi, hein. Yep. Tout moment. Lol. Alors, tu t'en vas. Tu t'en vas. Ouais, je sais pas si je vais claquer l'autre maintenant. Bah si, j'ai pas le choix en fait. Non, non, je peux. Je peux comme ça. Tu peux acheter du Emerald First parce que Rico, je pouvais pas là. Enfin, je voulais garder l'autre qui me filait des spells. Celui qui me filait des spells, c'était cool. J'ai gagné, j'ai transformé tout ça en Vava, c'est cool. Je suis content. Ça, c'est cool aussi. Les spells, ça peut être cool aussi. Hé.
Il faudrait des rebounds sur les Gold Rain maintenant. J'aurais bien voulu avoir en 6 le bâton d'Amoule pour essayer de choper les Reborn. Mais bon, on est vers Lucky. On se fait voler. Là, je peux peut-être limite même inverser. Après, le problème, c'est sur Cleave après. Est-ce qu'il y a des Cleave dans la game? J'ai même pas fait gaffe. Il n'y a pas Mecha. Il y a pirate dessus, éventuellement, bon. L'adversaire joue bête, c'est pour me régaler. Tu joues contre qui? Contre un mort là qui joue Uran. Mais les deux autres qui jouent bête, donc... tu vois quoi, prochain tour pour Mad Reborn? Bah déjà, il faut que je trouve un Reborn, et dans l'idée, ce serait bien que je trouve un autre destrier, le garder en main, et comme ça je peux jouer mes Reborn et le reposer éventuellement. Ou à tout moment, je triple un autre Vaillefendre, avec mes adversaires. Le Titus pas doré, en vrai, il est vraiment bien quand même. Bah, il y en avait un qui avait déjà deux Vaillefendre très tôt. Hein. Il est relou, lui. Hello. Tu vois, Golden, tu achètes Ara, c'est une possibilité aussi, ouais. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. C'est vrai que je vais avoir un autre poisson en plus, oui. Oh, de toute façon, je vais virer Goldrin dans ce cas-là. Le pourtant pour taunter était pas bon. Bon, j'ai déjà deux taunts, je pense que c'est fine. Hein. Surtout que je risque de le virer, donc c'est un peu bizarre. Hein. Le truc c'est que je vais acheter un poisson, là effectivement le poisson je vais le pick. Moi j'avoue qu'en heureusement j'aurais dû pick, j'ai ça, yep, bien vu. Je pense pas que je vais le pick là, en vrai je vais acheter un poisson effectivement chez le Nzot. Poisson sera mieux que Goldrin. Je préfère Vaillefendre à Goldrin là, surtout avec deux poissons. Genre... Et Goldrin va sauter. On va virer Goldrin, chercher des Reborn, rentrer au deuxième poisson. Ouais, mais heureusement, j'aurais dû pick. Taunt le méca poney. Avec les poissons, c'est pas déconnant, j'avoue. J'avoue qu'avec deux poissons, c'est pas déconnant du tout, tiens, Taunt Destrier. De base, j'aurais dit non, mais deux poissons quand même. Ça me plaît. T'as déjà réussi à faire un board full Goldrin? Non, j'ai pas envie de tester. Par contre, j'ai fait un board avec quasiment que des compagnons de Eldemort. La game sera bientôt sur YouTube. C'était vraiment nul à chier, mais c'était très marrant. Et il est big, hein? Il est big! Il est big! Let's go! Let's go! Ouais, ouh, attendez, j'aime pas ce qui se passe là. 12, non, le truc elle me tue pas, hein. Ah, c'est bon. Ouf. J'ai tremblé là. Le truc c'est qu'il a les Reborn, moi j'ai pas les Reborn.
Moi aussi je veux les reborn. Il a triple reborn. Que Aradori serait vraiment débile pour moi. Bien meilleur qu'un autre Goldrin même. Mais soit. Il faut que je pique le Haras sûrement. Alors. Est-ce que je vole à 6? Non, je pense pas. Enfin, vol acheté. Ah, peut-être que si. Tu me diras, je pourrais racheter les Goldrin. Pas de faux. Ça, j'achète. Ah, j'aurais dû commencer par ça parce que si jamais j'avais un. Je pouvais tenter d'avoir le poisson doré. Yep. Pas de reborn, never lucky. En vrai, pas de reborn, c'est quand même vraiment terrible là, pour E2. C'est tellement de stats en moins. J'ai jamais de chance de toute façon. C'est ça mon problème, c'est que j'ai pas de chance. Si j'avais un peu de chance, tu vois, ce serait pas la même game. Mais là, là avec aussi peu de chat, c'est compliqué à s'en sortir. C'est vrai que j'aurais pu avoir le spell pour dorer le Hara aussi direct, qui était incroyable. Il me faudrait 3 reborn, Hara, triple le poisson éventuellement après, tout ça, tout ça. Mon autre Vaillefort doré arrive. J'ai Hara doré si je veux là. Je prends mon deuxième Vaillefort doré. Je prends le Hara doré que je joue pas. Et si je trouve un Reborn, je vire Goldrin. Le problème, c'est que je pourrais déjà virer un Goldrin, mais. Là, c'est un Radagoni qui meurt. Donc ça profite quand même pas sur les poissons. Donc c'est un peu mieux, mais bon. C'est pas pour autant que je le piquerai là. On va juste acheter 3 et garder un Hara doré en main. Attendez. Oui, non, c'était l'autre. Oui, voilà. Il est sur ton stream ce joueur? Lui? Je sais pas. Ok. De toute façon, au prochain tour, on peut tripler poisson et rentrer le Hara doré aussi. Les joueurs avec, les joueurs sans, il faut faire avec le chat. Y'a pas une game facile, mais le truc c'est qu'il a reborn. Le truc c'est que là, il a deux Goldrin dorés. Il a Hara. Peut-être doré, reborn. Donc ça fait vraiment énormément. Hein. Autant je suis probablement devant, autant. Ouais, c'est vraiment big les reborn.
Mais bon, j'ai quand même deux Wyfords dorés, lui normand, il a toujours un normal. Ce qui fait une sacrée différence, plus j'ai deux poissons. Donc en théorie, je me vois devant. Je pense que je suis devant, hein, mais... Franchement, s'il me bat, j'avoue que je suis choqué, mais bon. Ouais, un match nul, ce serait marrant pour que je rejoue un autre poisson. Reborn, Aradoré. Ouais, le double titeuse va faire ADF normalement, je pense, ouais. Voir d'agonie se déclenche deux fois supplémentaire. Donc là, on fait 5 fois les rats d'agonie. Le problème, c'est que tu le tues d'office. Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le chat. Soyons sur nos gardes. Par contre, on est tour 16, hein. Après, j'ai envie de voir la gueule de Mary Pop, là, bien boostée. Genre, il faudrait qu'il tue tout avec le dernier poisson. Avec le Devyford, proc les ripop du destrier, voir. Ça va être quoi, des 200-200 en plus, non? J'avoue que j'ai la flemme de compter, mais ça va être très très vénère. Hein. On est effectivement devant. Après, il a 6% de chance de me létal, quand même. J'aimerais éviter de voir le scénario. Le 0-9 ne me dérange pas. Mais l'autre scénario me gêne un peu. Oh, ça c'est chiant. Ça c'est bien. Faut mourir les poissons. Non, le Wyford meurt avant. Oh, je perds tellement de boost pour mes Goldrin. Oh, je suis anéanti. Mon poisson, il est tellement vénère, là, il ramène quand même un board full. Plus les boards des deux Goldrin. Je pense, ouais, je dois être à peu près à du 200-200 si les deux poissons meurent avec les Wyfords en vie. 200-200 full ripop, ça aurait été huge. Un petit goût d'inachevé, mais bon. Ouais, c'est Ral d'agonie, deuxième poisson, ouais, effectivement. Ha 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 ha!